Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un winner et un loser? Vous savez ce que c'est la différence? C'est que le perdant, lui, il abandonne quand il échoue. Et puis le gagnant, on va dire l'entrepreneur, allez, soyons sympas, l'entrepreneur, le gagnant, bah, lui, il va échouer. Il va échouer. Et puis il va échouer. Puis jusqu'au jour, il va réussir. Et c'est une sorte de. Vous parliez tout à l'heure de la peur de l'échec. Oui, c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette culture de la valorisation de l'échec. Hein, c'est vrai qu'il y a d'autres pays, les États-Unis, hein, des choses formidables aux États-Unis parfois. Aux États-Unis, c'est vrai que si vous avez eu un échec, vous avez déposé un bilan, bah, votre banquier, il ne va pas vous regarder de la même façon. C'est-à-dire, cet homme-là, normalement, il a appris des choses. Et je préfère parfois prêter de l'argent à quelqu'un qui a déjà vécu une expérience, qui a eu des échecs, qui a su, je l'espère, et là après il faut juger l'homme, en tirer des leçons, des conclusions. Et lui, je sais qu'il ne refera pas certaines erreurs. Alors que celui qui démarre, qui n'a jamais fait d'erreur, parce qu'il n'a jamais rien fait, ben, je serais un peu plus méfiant. Voilà en tout cas ce que je voulais dire sur la notion d'échec et de succès, c'est de, en tout cas, de ne pas avoir peur d'essayer et pas avoir peur d'échouer et qu'il y a plein de bonnes choses à retirer parfois des échecs. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, j'ai très souvent été un loser avant de me retrouver ici ce soir pour vous parler des clés du succès. Ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts.